Mais vous avez des victimes d'un côté et des auteurs de l'autre. Mais souffrez quand même, monsieur Klugman. Vous allez voir que l'aboutissement de ce que vous dites va probablement vous déranger. Je vous dis, crime de guerre, crime de, contre l'humanité, si la Cour pénale internationale le prononce, je ne suis pas fermé à cette éventualité. Vous voyez ? Je vous dis juste que dans la situation dans laquelle on est, moi je suis pour la paix et pour un cessez-le-feu, pour une raison simple, messieurs. C'est que vous dites Hamas terroriste. Moi je comprends, je veux pas que ça soit compliqué, je comprends. On a vécu nous-mêmes des attentats qui ressemblent à ce qui s'est passé dans les kibboutz. Et donc je veux bien qu'on ait cette discussion-là. Par contre, cette discussion-là, si vous considérez que le Hamas est terroriste, monsieur, vous devez avoir une exigence, monsieur. Je vais vous dire une chose. Bah, dites-le. Si vous estimez que c'est un mouvement terroriste, vous ne l'estimez pas. Comment est-ce que vous qualifiez, vous, très bien, un premier ministre qui, sur les réseaux sociaux du monde entier, montre des images de bombardements de civils? Comment vous le qualifiez? Si, ah oui, mais oui, mais ça vous dérange parce que le problème. Mais ici, ça ne me dérange absolument pas, mais je comprends pas votre guerre. Point. Mais c'est pour en ça fait. Que je parle de crime de guerre. Ouais. C'est pour ça que je parle de crime de guerre. Parce que c'est ce qui permet de condamner ces actes-là. Ce qui s'est fait dans les kibboutz, ce qui s'est fait à la rave party, ce sont des crimes de guerre. Mentique. Je vous redemande. Mais c'est pas un débat sémantique. Vous êtes parlementaire. Sur la qualification du Hamas. Vous êtes parlementaire. Je sais que la France considère le Hamas comme un mouvement terroriste. Attendez, monsieur Klugman. Si c'est ça le débat, de savoir ce qui est terroriste. Mais vous êtes sur le débat. Monsieur Klugman, s'il vous plaît, je vous demande comment vous qualifiez le premier ministre d'un État qui bombarde, qui bombarde et qui met des vidéos de bombardement de civils sur Twitter. Est-ce qu'il est terroriste ou pas? Donc vous voyez, il faut parler de crime de guerre. Pourquoi? Parce que c'est une guerre. Et vous savez pourquoi je dis ça? Parce que à mes yeux, peut-être pas au vôtre, mais vous allez peut-être vous m'expliquer pourquoi. À mes yeux, pardon, priorité au terrain et au, attendez, non, priorité aller sur place. David Guiraud, Patrick Klugman. Si vous voulez parler du Hamas comme terroriste, dites-le, qualifiez-le. Si vous, que le gouvernement. Vous, est-ce que vous voulez parler du Hamas comme terroriste? Le gouvernement israélien, monsieur, lorsqu'il poste sur les réseaux sociaux des bombardements de civils, c'est quoi? Très bien. C'est quoi, monsieur Klugman? Alors, je vais vous dire. C'est du terrorisme ou pas? Oui, c'est du terrorisme. Alors, je vais vous dire. Attendez. Netanyahou est un terroriste. Vous savez ce que. Ok. Bon, monsieur Netanyahou, on peut remettre un petit peu de concept?